n'étant pas là, on nous remettra plus tard. La responsable à la solidarité. L'écharpe de la responsable à la communication et aux relations extérieures. Responsable stratégie perspective. Notre association, depuis ses premières années, n'a cessé de prôner l'excellence. Et c'est bien cet état d'esprit qui a animé ses fondateurs et leurs successeurs. De jeunes avocats en quête d'excellence autour d'un barreau fort et uni qui lui-même fera face avec hauteur aux nombreux défis, vous les connaissez, je ne peux pas les citer, que notre noble profession se voit d'affronter dans le contexte actuel d'incertitude. Un barreau fort et uni doit s'appuyer sur des jeunes avocats qui eux-mêmes se doivent d'être bien formés, soucieux de l'éthique, de la qualité de leurs prestations pour être le gage d'une justice plus efficace, moins coûteuse et plus diligente. À l'occasion de cette rentrée 2023, notre association a donc décidé de sortir du simple discours pour célébrer une fois n'est pas coutume celles et ceux d'entre nous qui ont allumé, maintenu et transmis cette flamme de l'excellence au sein de notre association. Plus que les années précédentes, notre association se donne des objectifs à la hauteur de sa vision et de ses ambitions. Ce programme est l'expression de notre engagement à une plus grande implication pour la formation professionnelle des jeunes avocats, le raffermissement des liens internationaux et le soutien au diplôme. Puisse cette nouvelle année être celle de notre accomplissement individuel et collectif. Adjé Kapouluk, maître Adjé Kapouluk, le monsieur le dispute au maître. Tu es une valeur sûre. Et tu es l'objet de notre fierté. Je t'aime jusqu'à demain. Je suis heureux. L'AJACI salue les efforts du barreau pour la formation continue des avocats en général et des jeunes avocats en particulier à la publication d'un plan de formation annuel 2023 et un suivi constant de la formation initiale des avocats stagiaires. Le comité exécutif de l'AJACI programme pour cette année la réforme institutionnelle et structurelle de votre association. Le programme 2023 est très ambitieux, mais nous pouvons et allons le réaliser avec cette maxime de Jacques Cœur à cœur vaillant, rien n'est possible. À l'instar de nos prédécesseurs, l'accent devra être mis sur le respect de nos règles déontologiques. La formation spécialisée et continue, et surtout l'ouverture à l'extérieur. Sur ces mots, je déclare ouverte la rentrée 2023 de l'AJACI. Vive le barreau de Côte d'Ivoire, vive l'AJACI,
Que Dieu bénisse notre belle association. Je vous remercie.